Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Emmanuel Cosse. Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Parole libres pour, pour l'AFPOS. Emmanuel Kos, donc, qui vient d'être élu, c'était au mois de novembre dernier, président de l'Union sociale pour l'habitat, par l'Assemblée générale de l'Union, mandat de, de 4 ans, première femme, on le signale quand même, à être élue présidente de ce, de ce grand organisme qui regroupe cinq fédérations. Très brièvement, avant notre échange, je rappelle quand même que vous avez été ministre du logement et de l'habitat durable. De février à 2016 à mai 2017, et vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France en charge du logement, parmi d'autres fonctions. Emmanuel Cosse, quel serait votre premier vœu euh, en arrivant comme ça à la tête d'un organisme que vous connaissez bien Puisqu'on vient de le dire, vous connaissez bien le logement depuis de nombreuses années. Qu'avez-vous dit tout de suite Que vous vous êtes dit à vous-même Alors, des vœux, j'en ai eu beaucoup. Euh... Ouais. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai encore lu un article dans Le Parisien où, en fait, des élus euh, s'opposant sur des questions HLM parlaient des locataires dans des termes extrêmement désagréables en estimant que l'arrivée dans la ville serait la, 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 la source des maux de, de demain. Et j'ai trouvé ça d'une très grande violence. Et moi, j'en ai, ai vraiment ras-le-bol. Alors, vraiment, il y, y a une sorte de lassitude à toujours entendre des bêtises, des caricatures. Et ça suffit. Et, et c'est vrai que j'ai eu aussi cette fierté-là. Et puis au-delà de ça, voilà, j'ai aussi envie qu'on nous reconnaisse pour ce qu'on est. On, est. on produit du logement, on réhabilite des quartiers, on est présent dans les quartiers. On a pu le montrer pendant le Covid, et euh, ça, il faut que personne ne l'oublie. On va revenir sur les aspects financiers aussi Bien qui font partie euh, également de la non considération que vous avez peut-être ressentie au sein de, de l'organisme. Deux millions de familles, je le rappelle, sont en attente de logement social, un chiffre que nous aurons en tête pendant notre échange. Euh, quelles seraient vos priorités On va parler aussi, bien sûr, de, du rapport à la transition écologique qui est centrale et qui fait partie de vos préoccupations depuis longtemps. On va parler également d'égalité des chances. Est-ce que vous donnez un ordre à toutes ces priorités et peut-être qu'il y en a encore d'autres Enfin, je, je pense que la priorité quand on est un acteur du logement, c'est de répondre aux besoins de logement. Donc ça prend plein de dimensions, ça, ça pose des, des questions de où produire du logement, à quel loyer, quelle est la qualité du logement dans lequel on, on, va, faire, on va vivre, euh, qu'est-ce qu'on va faire sur les enjeux en effet de, de, de transition environnementale et les enjeux de, de lutte contre le dérèglement, dérèglement climatique. Je ne crois pas qu'il y ait une priorité. Simplement, euh, il ne faut jamais oublier, quelles que soient les ambitions qu'on se pose, qu'il y a en effet, vous l'avez dit, 2 millions de personnes qui demandent un logement social. Peut-être d'ailleurs plus de personnes qui on en ont besoin et qui n'ont pas fait la demande. Euh, on a par ailleurs des gens qui sont sans logement du tout. Et ça, on ne peut pas euh, mettre un voile pudique là-dessus. C'est ça qui doit nous mobiliser et toujours se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à cette demande, pour accélérer euh, l'entrée dans un logement social pour sortir des familles d'endettement ou de situations extrêmement difficiles c'est ça qui est important et après il y a plein d'autres enjeux moi je vous le savez j'ai un engagement politique écologiste depuis longtemps je me suis beaucoup battue notamment sur l'habitat durable c'est un choix que j'ai fait quand je suis devenue ministre que ça soit un terme donc pour moi c'est des dimensions essentielles mais ça ne peut pas effacer tout le reste. Et on ne pourra pas régler un problème si on ne résout pas pour moi un des sujets majeurs qui est la misère, qui est la pauvreté, et qui est, qui est souvent les conditions aussi du mal-vivre. On a beaucoup de gens qui rentrent dans le logement social aussi parce qu'ils ne peuvent pas se payer un loyer dans le parc privé, parce que c'est horriblement cher, et qui travaillent à temps plein, qu'ils ont un salaire, et pourtant ils n'arrivent pas à se loger. Et ça, on doit absolument leur répondre. Alors parlons justement de ce premier chapitre important. Les solidarités, l'égalité des chances. On rappelle quand même que lorsque vous étiez ministre, c'est vous qui avez fait voter une loi relative à la citoyenneté et à l'égalité. Donc vous êtes assez exigeante aussi vis-à-vis -vis des, des HLM. Et on rappelle aussi cette loi imposée d'attribuer 25% des logements disponibles aux 25% des demandeurs les plus pauvres. Ce, cette question-là se ce heurte, si je peux le dire de cette manière-là à celle de la mixité sociale Bien qui sûr. vous est demandée aussi et à laquelle vous tenez. Donc comment allez-vous euh, organiser les choses de manière à ce que l'une et l'autre soient présentes Alors déjà, et, et, euh, je, moi j'assume d'être cohérente, c'est-à-dire que j'ai porté des combats quand j'étais ministre et je les porte aussi aujourd'hui en tant que présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Ce n'est pas du tout la même position. Aujourd'hui je défends les organismes HLM, mais je veux aussi qu'ils aillent vers des sujets que moi j'ai portés par le passé. Et c'est vrai qu'en euh, 2016, on avait fait le, le, le constat que les ménages les plus pauvres qui demandaient un logement social avaient beaucoup de mal à accéder à du logement qui était hors des quartiers politiques de la ville. Donc l'idée, c'est de pousser, pas seulement les bailleurs, c'est une, une réforme qui s'adresse surtout aux, aux collectivités. Il faut que dans les quartiers qui ne sont pas politiques de la ville, on ait des loyers bas. Donc, on est du logement social pas cher, le moins cher pour ces ménages-là. Et on voit bien qu'en effet, cette réforme, les bailleurs, de toute façon, appliquent la réforme parce que c'est la loi. Mais ils se heurtent évidemment à une difficulté, c'est qu'il y a des endroits où ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où tout le logement social est en quartier politique de la ville et il est très peu dans les centres-villes plus riches. Et donc on n'arrive pas justement à faire une attribution sur quatre dans ces quartiers. Donc c est, c est, évidemment, moi, même moi, quand j'ai mis en place cette réforme, je savais qu'on allait se confronter à ça. Mais ce n'est pas parce qu'on se confronte à cet obstacle qu'on ne doit pas le faire, justement. Il faut euh, faire le constat de ça pour justement travailler à un rééquilibrage. Et que demain, euh, par exemple, ici, on est à Paris, et, et euh, d'ailleurs j'ai eu des très bonnes discussions à l'époque avec la ville de Paris, parce qu'ils euh, partageaient cet objectif, comment remettre dans les quartiers les plus chers de Paris, et qui ne sont pas en QPV, parce qu'il y a des, des quartiers politiques de la ville aussi à Paris, des logements PLAI. Euh, quand on fait du PLAI dans le 16e, bah, ça permet de répondre à ça. Mais c'est très long, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on ne peut pas juste incriminer les bailleurs s'ils n'y arrivent pas, parce que ce n'est pas eux qui ont la main sur l'ensemble du sujet. Mais ça me semble quand même important. Euh, moi, je remarque, si vous voulez, sur le débat sur la mixité, ce qui est assez étonnant, c'est que on me parle moi, beaucoup, on me, do, on me dit tout le temps, les bailleurs sociaux doivent absolument faire de la mixité. Et moi, je dis, on parle de quelle mixité Il faut qu'on accueille moins de pauvres ou plus de pauvres. C'est quel est le sujet Il y a des injonctions totalement contradictoires. Il faut quand même aussi rappeler que les locataires HLM... Il n'y a personne de riche hein, dans le logement HLM. Hein. On parle de personnes qui ont des revenus qui, au maximum, sont un tout petit peu au-dessus du SMIC. Hein. Donc, il euh, faut quand même redire les choses. On n'est quand même pas non plus sur une très grande richesse, même s'il y en a qui ont des revenus un peu, un peu supérieurs s'ils ont en famille nombreuse. Mais, mais voilà, c'est quand même très, très. On est voilà, quand même sur la, le niveau de revenus majoritaire chez les Français, mais qui n'est pas très élevé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on nous demande en fait de tout faire. Accueillir des personnes qui n'ont pas de revenus, accueillir les travailleurs essentiels qu'on en peut, accueillir les familles monoparentales. Et moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais il n'y a pas non plus de miracle. Si on n'a pas les logements pour le faire, on aura du mal, évidemment, euh, à répondre oui. à cet objectif. Et je crois que surtout aujourd'hui, ce que moi, j'essaie aussi d'expliquer, de, 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 c'est qu'on euh, demande au logement social de répondre aux enjeux de mixité sociale. Et on ne le demande qu'à nous. Après tout. Pourquoi tous les autres secteurs de la construction et du logement ne répondraient pas aux enjeux de la mixité sociale Voilà, parce que la réalité, c'est que, euh, on voit bien, si on a 2 millions de demandeurs de logements sociaux pour à peine euh, quelques dizaines de milliers de logements qui sont mis en service chaque année, c'est bien qu'il y ait même un souci. Donc, euh, moi, j'aimerais bien produire euh, 100 à 200 000 logements par an, mais malheureusement, on a du mal à les faire. On n'en mmh. fait même pas 100 000. Et donc, on voit bien qu'on a quand même un petit sujet. L'occasion de rappeler, les chiffres sont tombés aujourd'hui même, juste avant notre, notre rencontre, euh, que les besoins en logement restent très importants. Je crois qu'Emmaüs les avait évalués à 500 000 logements en construction euh, par an. On serait sur une fourchette de 300 000. Et l'année, ce euh, n'est peut-être pas surprenant, n'a pas été bonne du tout mmh. pour la construction des logements. Je crois qu'on a fait le constat de moins 7 ce qui ne vous rend pas les choses faciles pour Ce qui ne rend pas la tâche facile. Alors, vous avez tout à fait raison de dire que. On a l'habitude de dire, euh, en gros, que pour répondre à tous les enjeux de l'accès au logement, il faudrait 500 000 logements euh, en offre nouvelle oui. par an. C'est un chiffre qui est avancé depuis déjà. Depuis, de depuis ouais. on, on l'a, en fait, depuis les états généraux du logement en, en ouais. 2010, euh, qui, sur lequel on est à peu près tous d'accord. Et on dit qu'en gros, il faudra arriver à faire 150 000 logements sociaux par an. Euh, nous n'y sommes jamais arrivés. Euh, on a fait, dans ces dix dernières années, euh, on a réussi à faire des agréments jusqu'à 123 000 logements sociaux. Là, cette année, on a un chiffre très mauvais. À peine 87 000 logements agréés. Ça veut dire que enfin, demain, ça va être beaucoup moins. C'est le plus, mo plus mauvais chiffre sur les logements sociaux depuis 2005. Donc, mon inquiétude, elle est extrêmement forte. Et elle est d'autant plus forte qu'il y a les chiffres que vous venez de citer sur les permis de construire et donc sur les logements qui vont vraiment sortir, où là, on a vraiment une baisse très forte alors qu'il euh, y avait eu une augmentation ces dernières années. Et on s'attend à une baisse plus forte. Et Encore. par ailleurs, je, je le dis, moi, je crains l'année 2021. Parce que d'une part, on... il y a les conditions sanitaires, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que le, le, la, la crise sanitaire, elle occupe énormément les collectivités. Ils sont extrêmement mobilisés sur le sujet, donc moins sur d'autres. Mais il y a aussi le fait qu'actuellement, euh, on n'arrive plus à mettre dans le débat public la nécessité, au nom de l'intérêt général, de répondre aux besoins de logement. Et moi, je vois des gens qui sont indignés chaque année au moment de la remise du rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui sera la semaine prochaine. On va avoir des tas de réactions pour nous expliquer que le mal logement, c'est terrible. Ces mêmes personnes, dans six mois, ne voudront pas euh, d'un programme de construction à côté de chez eux, au nom de euh, tas de choses. Euh, ça va de non à la densité. Euh, non à la construction car ça, 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 ça pollue la planète, etc. etc. Je pense qu'il faut avoir un discours de vérité aujourd'hui. On est dans un, dans un pays qui est riche, qui pourtant n'arrive pas à résoudre ces enjeux de mal logement. On a des gens qui n'arrivent pas à payer un loyer dans le parc privé, et on le voit notamment sur les jeunes, mais pas qu'eux. Et donc, il faut se donner les moyens de répondre plus fortement euh, à cela. Et donc, ça passe par la construction de logements sociaux. Et, et, et ça, il y a un moment où il faut dire les choses simplement. On peut, si on veut résoudre ces problèmes, il faut construire du logement social. Ça passe aussi, alors, par, évidemment, de bonnes relations avec les collectivités locales. Bien euh, sûr. Ça n'est pas toujours simple. Je sais que vous avez annoncé que vous souhaitiez des partenariats plus étroits encore avec les collectivités locales. Qu'est-ce que... Vous attendez d'elle sur ce domaine, on va peut-être revenir après sur l'aspect plus mais, écologique, disons que, mais déjà sur ce point-là. Disons que les collectivités locales, c'est elles qui ont les programmes d'aménagement, c'est elles qui demain euh, vont attribuer les permis de construire. Euh, donc moi, je pense que nous, notre rôle en tant que bailleurs sociaux, c'est d'une part d'aller à, euh, à leur devant pour aussi réfléchir avec elles de quels logements elles ont besoin. Euh, quel type de, de logement Est-ce que c'est du logement familial Est-ce qu'à tel endroit il faut une résidence pour personnes âgées Est-ce qu'il faut un foyer pour jeunes actifs, des jeunes en mobilité Je ne sais quoi, mais en tout cas qu'on puisse plus discuter avec elles, mais aussi qu'on les confronte euh, à la réalité de la demande de logement dans leur territoire. Et, et je pense qu'aujourd'hui il y a des élus qui ne se rendent pas toujours tout à fait compte en fait des besoins. Euh, et c'est ça aussi, moi, mon, mon rôle. C'est d'aller à leur devant, d'être dans le dialogue et d'essayer de leur expliquer pourquoi il y a besoin de euh, faire des logements sociaux. On peut construire ou réhabiliter euh, des bâtiments, hein. euh, mais il est très important qu'elles comprennent ça et aussi qu'elles programment. Et ça, pour moi, c'est une de mes... Euh, ce que j'aimerais réussir à faire avec euh, notamment toutes les grandes métropoles, mais pas que, c'est que vraiment on les aide justement à avoir une vision à long terme. Euh, les territoires qui ont commencé à développer cette vision à long terme, ils arrivent quand même à, à, à mieux répondre euh, euh, à cette question-là. On prend toujours le même exemple. On parle toujours de Rennes. Mais pourquoi est-ce que Rennes s'en sort aussi bien C'est parce qu'en fait, ils anticipent énormément. Ça fait 30 ans qu'ils anticipent. Ben, ça fait aussi un territoire qui, malgré un accueil de population de plus en plus importante, une attractivité très forte, ne connaît pas les problèmes de mal-logement que connaissent d'autres villes. Donc voilà, il faut aussi se donner les moyens. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points avec les élus. Moi, je suis là justement pour leur dire qu'on est à leur service. Et qui, compris dans certains territoires, c'est le logement social qui va leur amener des, des moyens de, de garder leur population. Est-ce que... que ça ne passe pas aussi par peut-être une plus grande distinction entre les territoires, est-ce qu'on n'a pas eu très tendance, je ne sais pas, hein, mais au niveau d'un organisme comme le vôtre, donc national, à ne pas assez distinguer euh, quel tel type de partenariat qui ne serait pas forcément le même avec un autre territoire. Alors, vous savez, l'Union sociale pour l'habitat a une représentation régionale. On a 12 associations régionales en France métropolitaine et une action dans les Outre-mer. Donc, la décentralisation de nos points de vue, ça fait longtemps qu'on l'a. Et y compris parce que euh, les sujets très, très complexes et difficiles que connaissent par exemple l'île de France et la région PACA avec un retard énorme. Ce pas la même chose en Bourgogne-Franche-Comté, où là, on se pose plus des questions d'attractivité des territoires et donc de savoir qu'est-ce qu'on démolit, qu'est-ce qu'on réhabilite et comment on fait. Donc, évidemment, il n'y a, a, a pas une politique du logement. Il y a un cadre national et il y a des enjeux locaux. Euh, et là-dessus, on a toujours été plutôt sur une vision décentralis décentralisatrice. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est ce qu'il faut aller plus loin. Et l'autre question, c'est comment on fait pour intéresser les territoires à la politique de logement Parce qu'un des risques, c'est qu'on a aussi des territoires qui disent que ça ne les intéresse plus. Je vais vous dire aussi les choses simplement, il y a eu beaucoup de réformes de la fiscalité, euh, notamment avec euh, l'enjeu les, 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 de la réforme de la taxe foncière et des impôts locaux. Ça a un impact, évidemment, sur l'intérêt des communes. C'est qu'aujourd'hui, euh, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes mannes fiscales. Et beaucoup se disent, finalement, si je faisais rien, est-ce que ça ne serait pas plus simple pour moi la vie donc, c'est là aussi où nous, on doit leur amener des solutions et des réponses. Et moi, je vois bien, il y a des maires qui cherchent, par exemple, à garder leur population, à loger les publics plus jeunes dans leur ville parce qu'ils ont des enjeux de vieillissement et n'arrivent pas à le faire avec un marché locatif ou d'accession extrêmement cher. Et là, on peut leur apporter des réponses. En même temps, aucun, aucun territoire ne peut ignorer qu'il faut des logements abordables. Et abordables, ça veut dire diversité des besoins, qu'il s'agisse de locataires ou de propriétaires privés. Donc, peut-être que là il y a un fil qui doit se nouer il y a ça et puis il faut rappeler niveau. que la, la famille HLM c'est du logement locatif familial du logement locatif spécifique et c'est de l'accession sociale à la propriété hein. nous nous travaillons sur l'ensemble de la chaîne et puis en plus aujourd'hui on nous sollicite énormément pour être dans les dans les euh, Programme Action Coeur de Ville, dans les sauvetages de copropriétés dégradées, où en fait on nous demande d'intervenir pour du portage de logements et de soutien aux copropriétaires. Puis voilà, l'accession sociale à la propriété, c'est aussi un moyen de, de, de permettre une accession au bon marché à des ménages qui ont des revenus faibles. C'est ça aussi, c'est aussi remettre un peu d'égalité dans tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ceux qui ont le plus de revenus qui ont accès à une, une évolution résidentielle. Je pense qu'il faut aussi qu'on retrouve cette capacité-là. Il faut se rappeler, comme dans notre histoire, hein, dans les années 50, on a été capable de faire ces parcours résidentiels ascendants. Il y a beaucoup de gens qui ont accédé à la propriété en ayant des revenus extrêmement faibles. Il faut qu'on qu permette aussi ça. Je pense qu'un des enjeux, c'est qu'on offre une panoplie de... de, de Enfin, comment dire, on puisse montrer différents types de solutions euh, à des publics qui n'ont pas toujours les mêmes besoins. Maintenant, aux aspects écologiques, donc, euh, un terrain que vous connaissez bien, sur lequel, évidemment, vous devez être attendu, même si, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la seule priorité euh, que vous avez. Cette transition, donc, qui devient plus qu'urgente, hein, aujourd'hui, tout, tout le monde en convient, et le logement social, comme les autres, doit assumer ces missions-là. Il y a des militants du logement social au sein de l'USH est-ce que vous les avez découverts ou est-ce que c'est au contraire une philosophie qu'il va falloir peut-être davantage encourager Non, sincèrement, alors peut-être que c'est aussi une question de génération mais je vois moi dans les équipes de l'USH des équipes extrêmement volontaires et volontaristes sur tous les enjeux qui sont liés à la transition. Transition transition il y a la transition environnementale, énergétique d'abord. Il y a l'énergie, oui. il y a les éco matériaux il y a les nouveaux modes de production. Euh, bon, il y a plein de choses très différentes. Et d'ailleurs, c'est ça qui a poussé, euh, et c'est une proposition qui est venue des équipes hein, de l'Union sociale. On a créé il y a deux mois euh, l'école du bas carbone, de la maîtrise d'ouvrage social du bas carbone, c'est-à-dire comment demain les bailleurs vont apprendre euh, à, à, à construire bas carbone. C'est un sujet extrêmement ambitieux et très complexe, mais justement. C'est bien pour ça que dès maintenant, on pense qu'il faut créer une école de formation, de réflexion, et que tout le monde euh, sa culture à tous ces enjeux-là. Parce que ça, vous allez le faire créer cette école. Elle est créée. Elle elle est créée. Est créée. Il y a eu un, un lancement en décembre dernier, et on a vu qu'on répondait par ailleurs à un besoin très important. Et puis ça derrière, veut dire il y aura des équipes dédiées bas carbone, par exemple, à mener ah ben, à logement. Il ben, y en a déjà en fait. Mais euh, voyez, là, vous voyez, là, là, on est déjà à un stade où on essaie de travailler avec le ministère euh, du Logement sur la future réglementation environnementale. Parce que derrière les injonctions, on veut construire bas carbone, on veut des, une, une, une économie moins émettrice de carbone, etc. C'est etc. Des, 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 des objectifs nécessaires. On en a d'autres sur la biodiversité et tout ça. Mais après, il faut se confronter au réel. Il faut voir que notre capacité justement à produire des choses, est-ce que demain, on est capable de faire une construction bas carbone en, pour, pour faire du logement PLAI à 5 euros du mètre carré Aujourd'hui, la réponse est non. Dans l'économie du système d'aujourd'hui, c'est non. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable de le faire dans 5 ans ou dans 10 ans. Euh, Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de construire tous nos programmes euh, avec des matériaux biosourcés et tout ça Non, parce qu'en fait, on n'a pas les filières industrielles. Mais moi, je préférerais qu'on puisse le faire. Parce qu'en plus, nous, bailleurs, contrairement à quelqu'un qui va, euh, un promoteur privé ou un acheteur privé, nous, on est propriétaire de nos biens sur la durée. Ce qu'on construit aujourd'hui, dans au moins 50 ans, ça sera toujours dans e la propriété de l'organisme, voire dans un siècle. Euh, Aujourd'hui, on réhabilite des logements qui ont euh, parfois euh, enfin, à peu près 100 ans, puisque là, on va, on va commencer, hein, on est dans les, dans les années 20, donc à partir de maintenant, on va commencer à fêter beaucoup de centenaires d'organismes HLM, hein, puisque c'est un grand mouvement qui euh, quand même. Oui. Donc, il faut aussi comprendre ça, c'est que nous, on a tout intérêt à construire bas carbone, avec des émissions plus faibles euh, pour les questions de gaz à effet de serre, et plus généralement, qu'on puisse avoir des, des, des qualités de vie parce que c'est ça, en fait, derrière les enjeux de transition, c'est aussi se reposer la question de on fait un logement ou on fait un lieu de vie Donc, comment demain on va habiter euh, Certes, on a un ménage qui va payer un loyer assez bas et il faut quand même qu'il ait une, des conditions de vie agréables en termes d'espace, en termes d'accès euh, à des espaces extérieurs et tout ça. Donc, c'est ça, en fait, les enjeux, mais c'est complexe. Alors, c'est vrai que. C est, c est, pardon, vous c'est plus coûteux aussi c'est complexe Est -ce et c'est beaucoup plus coûteux mais non mais c'est plus coûteux c'est plus coûteux et c'est pas toujours les mêmes manières de faire donc c'est pas les mêmes métiers et, et là je vais vous dire euh, moi je suis très ambitieux sur ces sujets là mais euh, je ne veux pas que mon ambition elle écrase aussi la réalité de comment produire du logement social et donc les gens qui m'expliquent que c'est coûteux mais qu'on trouve une solution ben, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à un moment, le bailleur social, euh, enfin, soit il puise dans ses fonds propres, à un moment il n'en a plus, il n'y arrive plus. C'est quand même ça le sujet. Si mon, si mon sujet était juste de sortir des logements que je pourrais vendre 6 000 euros du mètre carré, je peux vous dire que je sais faire du bas carbone. Moi, ma question, c'est comment sortir du, du logement qui va être à des loyers qui sont, qui sont pratiqués par, par, par personne d'autre. Et donc, c'est là où ça devient difficile. Et le coût aujourd'hui, c'est un débat ce qu'on a avec les pouvoirs publics, parce qu'on nous dit, oui, il y a un coût, mais vous allez le compenser. Non, en fait, on ne sait pas, on ne sait pas le compenser aujourd'hui. L'autre question, c'est que euh, dans ces questions de construire différemment, avec euh, moins d'émissions, c'est qu'on est très dépendant de techniques en fait qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là aussi où la connaissance elle est, elle est primordiale, parce que là, on est, moi je peux vous dire, y compris, euh, on est très dépendant de, de moteurs de recherche, de calculs, de matrices calcul, de, matrice de calculs. En fait, la question est plus de savoir si on a bien orienté un immeuble ou tout ça, on n'est que dans du calcul savant, et donc, on maîtrise plus grand-chose. Et ça, c'est une crainte que moi j'ai, c'est qu'à un moment, il faut aussi qu'on vienne à des choses assez simples. On l'a vu sur un débat sur la, les, les, les questions des îlots de chaleur où d'un seul coup, euh, on a vu plein d'articles qui fleurissaient, on nous expliquait qu'il fallait bâtir, dans nos architectes, qu'on redit, il faut bâtir en prenant en compte les courants d'air. Enfin, il y a des architectes qui, dans les années 50, ont fait des programmes de logements sociaux, j'en pense à un notamment euh, à Clamart, euh, qui était justement que lié à ça. Euh, donc euh, voilà, ce n'est pas nouveau ça, simplement on l'a oublié. Euh, avoir des logements traversants pour une bonne qualité de vie, où euh, on peut avoir de la lumière du jour dans toutes les pièces, ça non plus, c'est pas nouveau. Voilà, ça c'est des questions qu'on peut reposer avant même d'avoir des calculateurs savants pour nous dire si on est conforme à la réglementation ou pas. Ouais. École, donc, Baccarbot, il existe déjà, que manifestement vous avez l'intention de développer. Euh, ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une, une organisation des métiers un petit peu différente à l'USH Est-ce que vous allez peut-être transformer un peu l'organisation du travail alors, pas, pas dans, le, tra qui pas dans le travail de l'union, mais y compris dans les travaux de réflexion. Là, on, moi, j'ai créé une, une commission euh, euh, qu'on a appelée euh, Résilience et Transition euh, du patrimoine, qui va être présidée par Stéphane Dauphin, qui est le directeur de Paris Habitat, aussi pour accompagner ça. Parce que je pense qu'on est au début de nos réflexions. Il euh, y, y a plein d'organismes HLM qui essaient des choses. Se posent des questions, construire autrement, utiliser du bois, euh, faire de la réhabilitation avec euh, avec du champ. Enfin, il y a plein de choses. On essaie beaucoup. La question, c'est est-ce que nos, nos expérimentations elles valent le coup ou pas Est-ce que parfois on commet pas des erreurs Et après, dans les métiers, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a des nouvelles compétences chez les bailleurs sociaux qui arrivent. Par exemple, pour ceux qui développent des programmes, on fait plus appel quand même à des écologues. On fait plus appel à des, évidemment, à des urbanistes paysagistes, mais de plus en plus souvent, donc voilà, ça c'est des questions. Aujourd'hui, on nous demande de planter des essences qui vont d'arbres dans, dans les fonds, dans les, dans les, les alentours des immeubles. Typiquement, euh, maintenant, il faut qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on plante, qu'en fait, ces arbres, ils résistent à, à nos nouvelles températures. Ça, c'est des compétences nouvelles. Mais il faut quand même pas oublier notre métier premier, c'est que certes, on fait les bâtiments et puis après, on les gère. Donc quand même derrière faut pas oublier euh, comment est-ce qu'on accompagne nos locataires y compris dans ces immeubles nouveaux et donc la gestion locative aussi faut ne faut jamais l'oublier parce que on peut avoir des très bonnes idées hein, pour concevoir des immeubles absolument géniaux euh, qui en fait ne sont pas du tout adaptés par exemple à une vie de locataire euh, oui. classique. Je pensais aussi à des métiers euh, comme par exemple les gardiens hein, qui en demandent maintenant beaucoup de manière absolument différente de ce que, mais vous avez tout à fait raison. années. Euh, je vois. Déjà, il y a, les bailleurs n'ont pas les mêmes associations de locataires. Je ne sais pas hein, si en, tout cas, en tout cas, on voit bien que les bailleurs, n'ont pas le même choix sur les gardiens. Il y en a qui veulent en réinternaliser, donc augmenter les gardiens qui sont affiliés aux organismes, d'autres qui sont externalisés. Et vous avez raison. Par exemple. Aujourd'hui, pas mal d'associations locataires voudraient avoir plus de projets d'innovation sociale. C'est très souvent les gardiens qui sont en fait des personnels de proximité. Ils ne sont pas que gardiens aujourd'hui. Ils ne sont pas juste là pour Bien tenir sûr. une loge. Il y en a qui euh, s'occupent des espaces verts. Il y en a qui, sont, euh, qui organisent l'ensemble des enjeux de la propreté. Il y en a qui ont un travail aussi avec certains publics. On parle beaucoup des enjeux sur le vieillissement. Très clairement, c'est souvent notre personnel de proximité qui est le premier. Se rend compte d'événements sur nos locataires qui sont en difficulté. Donc, oui, il y a des évolutions. Et en plus, pour rien vous cacher, moi, je pense que ces métiers euh, ont besoin aussi d'avoir une évolution de compétences, aussi parce qu'on a besoin de garder nos gardiens. C'est une richesse infinie hein, d'avoir des gardiens qui sont sur le terrain tous les jours. Ils sont là. Ils, et et d'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid. Hein. D'un seul coup, on a retrouvé les bailleurs sociaux, c'était génial. Bah, évidemment, on a des gardiens qui se sont occupés des locataires les plus en difficulté pendant deux mois de confinement. Et nous, on avait eu l'interdiction d'ouvrir les agences de proximité, mais dans le deuxième confinement, on nous a par exemple demandé de les maintenir, notamment pour garder ce lien-là. Et donc, Monsieur. on voit bien évidemment la différence. Euh, C'est intéressant d'en parler parce que souvent, on nous reproche nos coûts de gestion, et en même temps, moi, j'assume qu'il y a des bailleurs qui font le choix d'avoir des gardiens dans tous leurs immeubles. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on se rend compte aussi de l'intérêt quand même sur des moments de crise, par exemple. Le lien social, bien sûr. Encore une question autour de l'écologie. On passera après un domaine plus de la finance, peut-être. Est-ce euh, qu'il vous faut choisir justement entre ces logements abordables tels que vous les concevez, euh, tout en limitant, parce qu'on vous en accuse parfois, comme tous les constructeurs d'ailleurs, l'artificialisation des sols. Qu'est-ce que vous répondez à cela Est-ce que vous voulez plus de logements mais alors vous savez, il y a un fléau. Un bon écologiste, vous savez, que l'artificialisation des je... sols Bien sûr. est un vrai danger. Bien sûr. Non, mais il y, y a un fléau français. On consomme du foncier euh, de manière dingue euh, depuis euh, 30 ans chaque année. Mais alors ce qui est marrant, et je vais pas être à peine cynique, c'est que je n'entends moi que des gens contre l'artificialisation des sols, qu'il s'agisse de logements sociaux, mais par contre qu'on fasse un centre commercial, ça leur pose pas de problème. Et, et je pense que euh, c'est devenu en fait un. un... C'est un paravent en fait, cet argument qui est utilisé par certains, mais comme celui de la densité. Parce qu'en fait, quand vous construisez haut, enfin à Paris, euh, construire haut, ça veut dire faire, faire entre 6 et 8 étages, hein, qui est la norme haussmanienne. Euh, quand vous construisez trop haut, on estime que c'est trop dense. Et donc quoi On préfère l'étalement urbain Je veux dire, c'est quoi, quoi l'alternative à ça euh, C'est construire ailleurs, donc c'est l'étalement urbain euh, je vois bien le débat qu'on a sur le, les l'écart du Grand Paris, où on a des, des, des collectifs euh, d'habitants qui ne veulent pas de logements assez hauts à côté des gares du Grand Paris. On amène des métros demain qui vont transporter des millions de personnes et on ferait des, des immeubles de deux étages. Je pense qu'à un moment, il faut aussi se dire les choses. Euh, si on veut avoir justement un impact réduit sur la dégradation de la planète, d'une part, il faut construire de manière plus dense. Mais plus dense ne veut pas dire petit plus dense veut dire qu'on est capable de monter. Mais le 8e arrondissement est un arrondissement très dense. Les gens qui habitent dans des logements qui font plus de 200 mètres carrés, vous pensez vraiment qu'ils souffrent de la densité Moi, je le dis. Enfin, le sujet, c'est la promiscuité. Le sujet, c'est d'avoir des villes pas aménagées où quand vous sortez de chez vous, vous tombez sur des routes où en fait, vous n'avez même pas un passage piéton et pas de capacité à vivre. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup ces arguments là. Et sur l'artificialisation, moi, je le vois fleurir contre les programmes de logements, pas que de logements sociaux, mais contre les logements en général alors même qu'on n'a pas vu ces oppositions sur des centres commerciaux, sur des espaces publics, des, 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 pardon, des, des, des espaces publics type un cinéma ou tout ça, où on pourrait aussi se dire pourquoi est-ce qu'on artificialise Donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment garder raison. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait malheureusement aussi dans les années 80, c'est les lotissements extrêmement vastes. C'est la maison individuelle avec des terrains très grands qui, aujourd'hui, posent des tas de problèmes. Et c'est aussi la croyance que chacun vit dans un village. Ben moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a des... Il f... Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à des choses qui soient acceptables et donc pensées. Et ce qu'on souffre beaucoup, et là, je rejoins des citoyens qui se battent parfois sur ces sujets-là, c'est que parfois, on a des programmes de logement et de bureaux où, en fait, on n'a pas pensé euh, la vie. On, on a fait des bâtiments très bien, ils sont très performants, mais si vous voulez, vous, en tant que piéton passer de l'un à l'autre, euh, regarder une vie extérieure, on n'y est pas. Je pense que c'est ça qui pose problème. Mais c'est vrai que je sens aujourd'hui un raidissement là-dessus. Euh, et moi, je, bah, je dis aussi les choses franchement. Euh, et on en revient au débat de tout à l'heure. C'est-à-dire, euh, au nom de l'intérêt général, euh, il faut lutter contre l'artificialisation ou il faut aussi s'occuper de personnes qui n'arrivent pas euh, à se loger Vous avez parlé tout à l'heure de votre volonté de voir respecter le mouvement euh, euh, des HLM, le mouvement du logement social. Il a longtemps vécu une forme de. De, de rapprochement enfin de consanguinité presque avec l'État. Or dans ce que vous disiez il y avait quand même une adresse très directe à l'État euh, parce que peut-être pas assez considérée de manière plus générale et aussi à cause de cette fameuse ponction euh, qui vous a été faite financière. Alors sans trop revenir sur ce qui y est arrivé qu'attendez-vous maintenant euh, de l'État dont euh, on sait qu'il prépare un plan de relance. Est-ce que vous allez être Concernés, qu'est-ce qu'il qu qu faut leur demander en priorité Alors, de meilleures relations. Vous l'avez dit, mais on peut y revenir. Hein. De meilleures relations. Non, mais il se trouve que moi j'ai été ministre jusqu'en 2017, qu'il y a eu une alternance, et, et à cette alternance, il s'est passé quelque chose. Je pense que le mouvement HLM n'avait pas connu depuis de très très longues années. C'est-à-dire que le mouvement HLM, euh, il, a, il a connu des gouvernements de gauche, de droite, avec des, des projets politiques très différents. Et euh, il a toujours été en dialogue permanent avec l'État, y compris parce que la structure Union sociale pour l'habitat, c'est aussi une structure qui recueille de la donnée, qui fait des études. Et puis voilà, c'est 630 organismes. Hein, on pèse 5 millions de logements. Donc en fait, on a un poids économique, une matrice assez forte. Ce qui s'est passé en 2017, ce c'est pas, pas juste le désaccord. On a eu un, il y a eu un désaccord sur cette ponction appelée, euh, financière appelée la RLS. Mais c'est surtout un mépris. Et en gros, au lieu d'avoir une discussion avec des désaccords, on a eu un gouvernement qui a dit aux bailleurs sociaux « Vous n'êtes pas utiles à la nation, parce que c'est un peu ça qui a été dit, vous avez trop d'argent et on va vous dire comment fonctionner. » Donc ça a été très très haut en fait dans la, dans la, dans la, dans la, dans la crise, et y compris, moi j'oublie pas les mots du président de la République lors du, débat, euh, du grand débat gilet jaune auquel il, a, il, il, était, euh, il était présent euh, en personne, où il a de nouveau en 2018 attaqué les bailleurs sociaux. Euh, au nom de quoi en fait Qu'est-ce qu'on a mérité pour ça, pour ça et, et je pense que ça part de là. Alors les choses ont un peu changé. D'une part parce que euh, euh, une fois le militantisme très anti-logement social, d'un seul coup, euh, les pouvoirs publics et gouvernements se sont quand même rendus compte qu'on était des acteurs un peu nécessaires à la pacification de certaines choses. Et aussi qu'on était les seuls à produire du logement abordable. Et ça, euh, euh, y compris euh, le ministre Julien Normandie, euh, s'est aussi beaucoup appuyé sur les bailleurs sociaux là-dessus. Euh, et puis aujourd'hui, on a une ministre du logement, Manuel Vargon, qui très clairement est dans un autre style, euh, veut porter euh, des politiques, et plus du tout dans ces, dans ces relations-là. Après, elle doit aussi gérer euh, ce qui a été fait par avant. Euh, mais bon, on est dans une phase, on va dire, d'accalmie. Et c'est vrai que moi, à ce titre-là, je demande du respect, mais aussi qu'on nous écoute. C'est-à-dire que moi, le discours que je porte, c'est pas juste le mien. C'est... Euh, voilà, on a parlé de ça tout à l'heure. Ça fait 100 ans qu'il y a des organismes HLM. On a un peu de bouteille quand même. On n'est pas, pas juste là pour défendre nos précarés. C'est qu'on voit aussi des choses. Quand on a vu la paupérisation des locataires HLM, c'est qu'on a aussi vu des transformations sociales. Quand on voit les difficultés avec certains élus, c'est aussi parce qu'on voit des raidissements et on, et on en parle. C'est de ça, en fait, dont il s'agit derrière. Ça veut dire que vous allez vous adresser à plusieurs ministères et leur faire des propositions. Bien sûr, mais comme vous avez parlé très vite tout à l'heure des jeunes, c'est un vrai sujet aujourd'hui, on le voit évidemment avec cette pandémie terrible mais les difficultés de logement des jeunes sont déjà bah, connues elles sont... depuis longtemps. Que veut l'USH à ce sujet Que, que préparez-vous bah, Déjà là un euh, exemple bah, typiquement les jeunes, un des sujets, c'est que les jeunes ne rentrent plus dans le logement social familial. Ils sont dans nos logements spécifiques, ils sont dans des résidences étudiantes sociales, ils sont dans des foyers de jeunes travailleurs. Mais quand il s'agit de, de se fixer, ils ne sont plus là, y compris parce qu'on a des règles d'attribution où il y a des critères d'ancienneté de la demande. Bah, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas d'ancienneté de la demande et en plus, vous n'avez pas de revenus les années précédentes. Vous, vous voyez, typiquement, c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on fasse des offres. Mais on a aussi... On a aussi milité... Mais ça paraît possible pour vous Oui, des ça, c'est vraiment des, de sujets des sujets réglementaires qui me semblent assez simples. Euh, mais vous savez, c'est aussi ça. C'est qu'on a des problèmes très compliqués, politiques, d'impulsion. Et puis, on passe aussi beaucoup notre vie à essayer de simplifier de la réglementation qui, je crois, aujourd'hui, est trop... Euh, elle est complexe et souvent, elle se, elle se, c'est une réglementation qui tourne un peu en rond. Mais au-delà des jeunes, on a, d enfin, on a ce sujet de les faire entrer dans le logement social. Peut-être aussi, euh, il faut. Moi, je l'ai déjà proposé à plusieurs reprises à la ministre et à ses prédécesseurs. On a besoin de plans d'urgence pour de la construction massive. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, on a des modes de, de, de construction. On est capable de construire des, des bâtiments de grande qualité en un an en utilisant, euh, par exemple, la préfabrication et le modulaire. C'est ce, ce qui se passe beaucoup en Angleterre et qui se passe peu en France. Ben, typiquement, on a besoin, là, d'aller plus vite sur la question des jeunes et d'assumer qu'il faut qu'on sorte des loyers, des loyers extrême, extrêmement faibles. Mais on a plein d'autres sujets. Là, on va avoir un énorme sujet sur des publics qui vieillissent et qui n'arriveront pas à aller dans des logements privés trop chers, par exemple. Donc voilà, il y a tout ça, à mon avis, qui me semble essentiel. Et même au sein de la réorganisation, je crois qu'il y a, on parle effectivement de cette population vieillissante, un autre sujet dans le spectre différent qui Sont souvent des gens qui vivent dans des logements qui sont devenus grands pour eux lorsque ce sont des personnes isolées. Alors c'est vrai, mais une politique délicate à, à mener. Mais qu'est-ce que vous ferez C'est ce une politique délicate parce qu'on a des personnes qui ont vécu longtemps dans des grands logements, mais surtout si on leur propose un logement plus petit au même prix de loyer, euh, vous comprenez bien qu'elle va avoir du mal à déménager. Donc nous aussi, il faut qu'on construise des politiques de proximité avec ces personnes pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Il y a des bailleurs qui arrivent très bien. Hein. Il y a des bailleurs qui ont accompagné des, des, des ménages qui vieillissaient pour avoir des logements neufs, euh, plus, enfin, mieux organisés. Ils les ont aidés à déménager. ont fait des remises sur les quittances pour justement qu'il y ait une vraie différence. Voilà. Euh, mais je vais vous dire, on aime s'accrocher se, se, à des petits sujets. Euh, des gens seuls dans les grands logements, les quelques personnes qui ont des logements sociaux indus, il y en a certainement encore malheureusement. Mais ça ne répond pas à notre sujet massif. Moi, mon objectif, c'est de faire 150 000 logements sociaux par an. Voilà. Donc, en fait, d'un côté, il y a des petits sujets qu'il faut régler et de l'autre côté, il y a des sujets de masse. Et, et, euh, et la question, c'est ce qu'on a de l'ambition de répondre à la masse. De la même manière, voilà, on a les enjeux de rénovation, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les bailleurs sont très impliqués sur la rénovation énergétique de leurs logements. Hein. C'est une très grande nécessité. Euh, nous sommes les premiers à commencer à éradiquer les passeurs énergétiques. Hein. Euh, quand même, ça a été enfin reconnu que l'action menée depuis plusieurs années commençait à produire ses effets. Il nous reste encore des classes très énergivores, mais euh, la loi indique 2028 pour les éradiquer totalement. Je pense qu'on aura terminé euh, avant. Vous serez prêt avant. On sera prêt avant. Après, c'est un boulot. Euh, sincèrement, c'est un investissement pour Étalonnise énorme, très difficile. Y compris parce que quand vous faites des réhabitations, on a des élus qui en profitent pour nous dire Mais vous voulez pas fermer, en fait bah alors on dit non, hein. on a des locataires, donc on va rester là. Mmh. Mais, vous euh, voyez, ça aussi, c'est un, une ambition très forte. Euh, nous, on cherche à ce que les gens soient dans des logements agréables à vivre. J'ai une question, et j'en je, profite d'ailleurs pour le dire à ceux qui vous écoutent et vous suivent, qui peuvent nous adresser toutes les questions qu'ils souhaitent pour vous. Euh, 2 millions de Français, vous avez dit, être Françaises en attente d'un logement et des milliers de locaux vacants en zone détendue. Quelles actions le mouvement peut-il mettre en place pour inverser la tendance C'est vrai qu'on a parlé de Paris, de, vous avez parlé de Rennes, mais les, les régions sont tellement différentes de l'une à l'autre. Que fait-on avec les zones détendues Alors, 2 millions 100 000 demandeurs, dont 750 000 en Île-de-France. Je, même. je, je même. pense que c'est important de le dire parce qu'on voit bien qu'on n'aura pas de fait les mêmes problèmes dans toutes les régions. Il faut faire très attention en se disant, ok, d'un côté on a beaucoup de demandeurs, de l'autre on a des locaux vides. Oui, on a même des logements vacants vides hein, à certains endroits. On a des bailleurs qui aujourd'hui n'arrivent pas euh, à trouver des locataires parce qu'en fait il y a des... Et alors pourquoi C'est parce que c'est des régions où on avait des anciens bassins euh, industriels qui aujourd'hui n'existent plus, où on a une offre locative importante, mais aussi il y a moins d'habitants. On a des... On a... On a... Vous le savez, dans notre pays, on a des régions qui perdent des habitants pendant que d'autres en gagnent beaucoup. Donc il faut quand même dire des choses aussi, c'est que moi je ne suis pas pour qu'on déplace les gens. Euh, la question c'est qu'il faut qu'on apprenne à répondre à leurs demandes là où ils sont. Parce en général, quand ils sont inscrits dans un territoire, c'est parce qu'ils ont euh, un emploi, une famille, euh, des réseaux enfin, et leur vie. Euh, mais ça peut nous interroger peut-être aussi sur qu'est-ce qu'on va construire demain. Euh, Est-ce que partout, on va construire des choses qui, vont, qui ont une durée de vie de 100 ans Est-ce qu'on aura des constructions un peu plus intermédiaires Ça peut être un des sujets. L'autre question, c'est comment quand même, et c'est un, un des sujets du programme Action Cœur de Ville, comment dans toutes les villes moyennes, on arrive à racheter des immeubles vacants, insalubres, pour refaire du logement en cœur de ville. Et y compris pour les enjeux de vieillissement, ça peut être intéressant. C'est-à-dire de ramener des populations en cœur de ville plutôt que de les éloigner sur les périphéries. Euh, c'est des sujets qu'on fait aujourd'hui. C'est très coûteux, mais par contre c'est assez intéressant de manière euh, enfin, sur la réponse qu'on apporte à ces ménages. Mais sur les zones détendues, on voit certains maires qui prennent des initiatives de logements très peu coûteux ou même quasiment offerts. Bien vous sûr, mais il y a associé à ce type de mouvement. Bien enfin. sûr, et puis et puis nous, on, on, a, en plus, on a alors, on a des associations régionales qui ont produit des analyses particulières sur la zone détendue. Mmh. Euh, on a aussi demandé des aides spécifiques, notamment des aides à la démolition en zone détendue, parce que ça coûte très cher de démolir des immeubles dans lesquels vous n'allez plus toucher de loyer, justement parce que parfois en démolissant ce qui est le plus ancien, ça peut permettre de rendre plus attractif l'autre offre. Et puis ça veut dire aussi dans les zones détendues qu'il faut extrêmement bien connaître les besoins. C'est-à-dire qu'il faut constamment réinterroger les besoins locaux pour voir si on a des offres qui peuvent s'adapter à ces, ces besoins-là. On voit en même temps qu'il y a des choses qui changent. Hein. Là, il y a une, un nouvel attrait pour la ville moyenne. Et ce que je trouve absolument euh, intéressant. Est-ce que vous l'observez réellement, la même, à votre niveau Alors, euh, euh, je suis pas capable de, de vous demander. le dire encore. Moi, j'ai regardé les marchés oui, immobiliers. Donc, on l'a vu sur les marchés immobiliers. Euh, des élus nous disent qu'ils commencent à avoir une augmentation d'habitants. De, de, euh, donc, euh, je ne sais pas encore savoir dans, 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 dans le logement social, mais justement, il faut qu'on regarde ça, euh, parce qu'y compris, on aura peut-être des salariés en mobilité qui vont peut-être pas tout de suite être dans le parc privé. Est-ce que demain, on est capable de leur offrir des lieux dans ces villes moyennes euh, Ça va dire beaucoup d'offres. Hein. Ça peut être une cinquantaine de logements, mais qui peut être, euh, qui peut être utile. On voit bien aussi, vous voyez, euh, euh, typiquement là, il y a des expérimentations très intéressantes qui sont faites dans le cadre du chantier euh, du métro du Grand Paris. Où en fait, on a bien vu que les, les, les ouvriers du, du, du métro du Grand Paris n'arrivent pas à se loger à proximité des chantiers. Ils sont là pour deux ou trois ans. Ils n'ont pas des revenus très élevés, pas tous. C'est un bon exemple. Ça, oui. Et typiquement, il bah, y a eu, des, y a eu des, 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 des expériences faites avec des bailleurs sociaux qui avaient du patrimoine qui était en fin de vie et qui va être notamment démolis dans le cadre de ces, de ces nouvelles lignes de métro, mais dans lesquelles aujourd'hui on loge les ouvriers du métro. Donc il faut aussi qu'on se pose ces questions-là. Ça veut dire aussi qu'on soit plus en lien avec l'activité économique. Et à côté de ça, bah, vous allez à Saint-Nazaire où il y a une, une, une activité extrêmement forte aujourd'hui euh, sur les, 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 tout ce qui concerne... Euh, euh, toute, toute la séquence euh, voilà, avec euh, la question des, des chantiers. Et, et là-dessus, bah, on a une demande très forte euh, constamment de savoir si on peut euh, offrir, notamment à des jeunes travailleurs, des, des, et ça, c'est souvent le logement social hein, qui répond. Oui, parce que ce n'est pas toujours facile de se loger. Bon, Prenons peut-être d'autres exemples par région. On parle de, de Paris, vous faites bien de rappeler, effectivement, que l'Île-de-France est hautement concernée. Quels sont les grands chantiers là, sur lesquels vous, vous avez un œil euh, Particulièrement attentive dans, dans ce qui est prévu aujourd'hui Alors, euh, il faut quand même dire que, euh, donc j'ai dit beaucoup de demandeurs en Ile-de-France, beaucoup en PACA, c'est en même temps les deux régions qui respectent moins la loi SRU. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler, parce que la loi SRU prévoit qu'à euh, partir d'un certain niveau d'habitants, il euh, y ait 25% de logements sociaux. Ça, c'est un des grands chantiers. Comment la, enfin, vérifier que la loi est appliquée, mais surtout euh, soutenir les bailleurs dans le, dans le dialogue avec les élus pour augmenter la production euh, là-dedans. On a un autre chantier, c'est en Ile-de-France, euh, c'est extrêmement cher de construire du logement, et notamment social. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on continue à aller dans des discussions, notamment avec les pouvoirs publics, pour voir comment est-ce qu'on retrouve des fonciers euh, moins chers. Alors, il y a eu une politique par le passé qui était la cession des fonciers euh, publics de l'État. Donc, euh, l'État qui avait des fonciers... Euh, les, les les, les vendaient aux bailleurs sociaux à des prix extrêmement modestes pour faire des opérations de logement social. À Paris, il y en a une qui est sortie, hein, qui est la caserne à Reuilly-d'Hydro, l'ancienne caserne militaire. Demain, l'îlot Saint-Germain. Alors, j'en parle parce que c'est moi qui ai fait la session, donc je la connais bien. Mais c'est inouï. Enfin, ça permet de faire du logement social, euh, boulevard Saint-Germain à Paris, un des quartiers les plus chers de Paris. Euh, mais ça, on n'en a plus du tout assez. Et ça, c'est un enjeu, me semble-t-il, sur lequel il faut qu'on de nouveau l'État se mobilise et réinterroge ce qu'il fait de l'ensemble de ses fonciers et de ses bâtiments. Ce n'est pas obligatoirement de la construction. On a aussi des vieux bâtiments, des vieilles préfectures, des casernes sur lesquelles on peut faire des choses. Il euh, y a aussi des villes qui font ça parce qu'elles ont vu les militaires partir, les casernes se vider ou des hôpitaux changer. Donc il y a des évolutions qui doivent se faire ou parfois des fonciers de la SNCF. Je pense notamment à Lille avec tout le, le quartier Saint-Sauveur. Mais ça, c'est ça qui permet aussi d'amener de, de, justement des vraies réponses. Mais ce n'est pas toujours facile de les convaincre déjà. Et une autre question vous vient de Lucie Gautrin, je ne sais pas de quelle région, mais pourquoi ne pas récupérer les logements indignes, ben oui, en Ile-de-France notamment, pour en faire du logement social Quelle est votre politique, ou la politique plus largement des bailleurs sur les copropriétés dégradées C'est déjà fait un certain nombre de choses. Alors, c'est deux choses un peu différentes. Euh, il reste aujourd'hui en, en France, malheureusement, du logement indigne et insalubre. Euh, je vais être tout à fait honnête, je pense qu'il y a partie de ces logements qu'il ne faut surtout pas réhabiliter, qu'il faut les démolir. Il faut aussi être conscient de ça. Il y a des... On parle de la pathologie des bâtiments. Il y a des bâtiments qu'il faut mieux démolir, même si la démolition n'est pas viable pour tout. Mais l'insalubrité enfin, et l'indignité, ce n'est pas rien. Je dis ça parce qu'on a eu des opérations parfois de réhabilitation de ces patrimoines-là qui, en fait, ont, ont plutôt échoué in fine. Mais par ailleurs, ces logements, ils sont occupés aujourd'hui. Hein. Il faut bien comprendre qu'il y a des, y compris des gens qui, les ont, qui sont propriétaires de ces logements. Et par ailleurs, ce n'est pas nous les bailleurs qui sommes à l'origine de ces politiques-là, c'est les élus locaux, hein. c'est eux qui ont la police de la salubrité dans leurs mains. Donc on est très dépendant euh, des, 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 des politiques portées par les villes. Après, les bailleurs sociaux, très souvent, sont associés à, à, ces, à ces, ces actions euh, communales sur lesquelles on construit des logements sociaux. Dans les copropriétés dégradées, aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont mobilisés pour en fait euh, euh, souvent porter du logement qui était privé, qui va devenir une finesse sociale, quand il sortira de tous les méandres de la copropriété, et aussi pour accompagner des ménages. Parce que ce qu'on voit dans les copropriétés dégradées, c'est souvent des ménages qui sont propriétaires, mais qui, en fait, n'ont pas les revenus suffisants pour l'être, et qui, donc, vont à un moment devoir repasser dans un système locatif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit l'été, les, les, les en fait, là-dessus, et puis il y a après des actions que développent certains bailleurs, où, justement, ils vont dans des copropriétés dégradées pour faire tout le portage. Et là, c'est encore un sujet plus. Oui. Plus, plus complexe. On va qu'on peut-être un mot de la population importante hein, de l'Union sociale pour l'habitat. On l'a dit, hein, plusieurs euh, fédérations. Combien êtes-vous entre vous Cinq fédérations. Cinq fédérations, euh, ça 130, fait combien de monde, ça? Cinq fédérations, 130 salariés. Euh, euh, ouais, je ne sais pas ce qu'il faut dire d'autre. J'y insiste parce que vous, vous m'avez dit que pendant qu'on préparait cet entretien, on ne vient pas à l'USH par hasard. C'est un métier quelque part. Et peut-être que l'ancien président l'a souvent montré. Euh, euh, quelque part c'est un héritage militant que vous avez là. Mais vous avez raison euh, Jean-Louis Dumont militant ça vous Oui, mais bien, moi mais... ça me va mais, mais Jean-Louis Dumont euh, c'était ses mots et, et euh, il l'a dit à plusieurs reprises qu'il était militant du logement social et je pense d'ailleurs hein, les présidents et présidentes de fédérations, je pense à Marcel Rogemont pour les offices HLM, Valérie Faunier pour les ESH, Marie Noël pour les cop HLM, euh, Denis Rambaud pour les associations régionales ou euh, Yannick Borde. Oui, on est tous des militants enfin. Et dans un sens extrêmement noble. Je veux dire par là, parce qu'on en a parlé ensemble, que euh, on est des acteurs du logement, mais agir dans le logement social, donc aussi assumer d'avoir des missions sociales, puisque nous. Euh, notre objectif est de loger des ménages qui ont des revenus sur lesquels on nous indique en fait des, des prix de marché euh, et des revenus qui sont assez limités. Puis il n'y a pas que ça, on intervient dans les quartiers, on intervient dans l'accompagnement, on intervient dans les ce qu'on appelle la gestion urbaine de proximité. Donc euh, c'est un choix. Et c'est vrai que parfois on me dit oui mais le logement social euh, tout le monde fait ça. En fait non, non c'est un métier, c'est un métier particulier qui a des valeurs de service public. D'ailleurs ça nous était encore reconnu euh, récemment. Et par ailleurs nous euh, notre métier c'est de loger à des loyers modérés. Alors certains espèrent, euh, parfois, y compris dans le secteur HLM, aimeraient pouvoir faire toute la gamme, y compris euh, se dire, bah, je voudrais bien avoir des loyers modérés et des loyers qui n'ont qui rien à voir avec la HLM. Ils peuvent le faire par des statuts différents, mais ce n'est pas le même métier. Et moi, je pense qu'en effet, quand on travaille à l'Union sociale pour l'habitat, c'est aussi qu'on partage cette idée-là. C'est-à-dire qu'on assume qu'il y a une politique publique qui vise à créer du logement pas cher et de qualité. Parce qu'il n'est pas cher et il est de qualité. Euh, et ça, je pense que c'est très intéressant. Mais c'est vrai que parfois, moi, je suis un peu heurtée quand on me dit euh, Mais finalement, vous faites quoi de différent avec les autres bah, Ce qu'on fait de différent, c'est que nous, euh, on loge des gens qui gagnent 800 euros par mois. Loyer modéré, ça garde son sens. Le mot, mais, mais voilà. Alors, on, on dit aujourd'hui social. Avant, on disait les HLM, c'était modéré. Euh, on peut dire abordable, mais quand même. Les, les, les... Évidemment que les mots ont un sens. Et notamment dans une période. Où euh, il y a des zones, en effet, les loyers ne sont pas très chers, mais il y a aussi beaucoup de zones où les gens galèrent quand même pour trouver un logement, quel que soit leur revenu d'ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est quoi cette mission. Et d'ailleurs, on a des loyers modérés aussi parfois dans des villes où le logement n'est pas très cher, sauf qu'il n'y a pas non plus de loyers très bas. Oui. Donc euh, voilà, et, et c'est vrai que euh, moi, je me mets totalement dans les pas de mon prédécesseur. Euh, euh, il le disait souvent, ce n'est pas juste une image, je pense que c'est une conviction. Sinon, on ne le ferait pas en fait. Vous n'irai pas dans le sens d'une plus grande facilité d'accès euh, même à la propriété avec des, avec des coûts plus élevés ou avec... Euh, bah, on, des en, logements en fait, je pense... C'est en... c'est pas, pas votre.. Je direction. pense qu'il ne faut pas se tromper de métier. Euh, L'union sociale, elle défend des valeurs, la production de logements sociaux, la réhabilitation aussi, comme on façonne des quartiers, parce qu'on a été des grands acteurs aussi de l'aménagement urbain, il faut quand même le dire, et aussi, je le dis, de l'accession sociale. Euh, voilà, quand on fait de l'accession à des prix qui ne sont pas encadrés, bah c'est aussi un très beau métier. Hein. Vous savez, moi, je, 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 je suis très engagée dans le secteur du logement en général, donc je ne suis pas là pour opposer les gens. Mais c'est juste pas le même métier, euh, et je pense simplement qu'il faut le savoir. Après, on s'appuie euh, sur tous les partenaires, hein, promoteurs et bailleurs sociaux aujourd'hui portent ensemble des projets. Mais il ne faut pas non plus, voilà, nous, on a des obligations. C'est aussi pour ça qu'on a aussi des euh, Souvent, les gens nous jalousent parce qu'on a une TVA réduite sur nos, nos productions. Bah ben oui, mais on n'a pas les mêmes loyers de sortie ni même les, les mêmes obligations. Voilà. Donc, il faut simplement l'assumer. Mais derrière le mot militant, c'est aussi assumer la nécessité d'avoir euh, une action sur le prix de marché, parce que certains peuvent penser qu'en fait, il faudrait rien faire et que tout ça pourrait se réguler et tout. Dans un pays comme la France, très attractif, où quand même une partie des logements est phagocytée par Airbnb. Alors, on est dans une période particulière, ce n'est pas trop le cas, mais ça va revenir. Euh, on est dans une... Dans même un... si on essaie de le corriger au plan national. On essaie, mais c'est très difficile et très long. Là, le Covid nous a un peu aidés. Mais bon, voilà, si on n'organise rien, la spéculation, elle est là. Donc, euh, si on continue comme ça, dans les zones très chères, on ne pourra pas se loger du tout. Et puis, dans des zones où il n'y aura rien, là, on trouvera pléthore de logements vides. Et donc... Euh, Derrière le mot militant, c'est aussi assumer qu'on doit réguler, qu'on doit intervenir et que donc on doit aussi avoir une politique publique. Mes dernières questions, Emmanuel Cosse. Il y a donc ce plan de relance qui a été annoncé à cause de cette actualité de, de Covid, notamment en tout cas dans ce contexte très difficile. Une aide au logement assez conséquente a été annoncée. Enfin, est-ce que vous l'ajoutez Alors... assez conséquente, vous nous en dites plus en fait, dans le plan de relance, l'aide en fait, au logement, c'est 0,1% du plan de relance. Donc, en fait, c'est très, très nul. C'est très, très bas. Mais dedans, il y a une aide très utile qui est l'aide qui a été apportée à la rénovation énergétique des logements. Et en ça, elle est très intéressante puisqu'on a, a mis une la ans, somme. 500 millions euh, pour l'année 2021-2022. Euh, moi, là, je milite beaucoup pour que les bailleurs remplissent bien les dossiers parce que je me dis qu'en en fait, peut-être qu'on peut même avoir une rallonge. Mais l'avantage, c'est que c'est une vraie subvention. Donc en fait, ça va vraiment booster les opérations. Et justement, quand je vous disais qu'on essaie d'éradiquer les classes énergivores les plus importantes, ce programme vise notamment à aider les programmes des classes dites F et G, donc les plus consommatrices d'énergie. Donc ça va nous permettre d'accélérer les choses. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais je ne vous cache pas qu'on aurait eu des aides supplémentaires sur la production, voire des enveloppes plus importantes pour la rénovation des foyers de jeunes travailleurs, enfin des foyers de travailleurs migrants et tout ça, ça aurait été pas mal. Mais moi, je me dis qu'on peut toujours continuer à, à demander des choses. Euh, je pense que le plan de relance n'est pas fini. Donc, euh... Et en plus, euh, l'Union européenne a quand même beaucoup axé les choses sur la qualité des bâtiments, les enjeux euh, environnementaux, euh, y compris l'Union européenne voit maintenant d'un meilleur œil tous les enjeux du logement social. Donc, moi, je ne désespère pas qu'on puisse continuer à avoir des aides dans le cadre de ce plan de relance. Elles nous seront très utiles. Toute dernière question, en fait, j'y pense en vous écoutant les relations avec d'autres pays européens. Est-ce que vous allez les Alors, on est membre d'un club qui s'appelle Oui, il y a le club Housing Europe où en fait, il y a tout un lobbying des bailleurs sociaux avec des systèmes très différents, mais évidemment, alors on a un représentant c'est aujourd'hui Daniel Bier qui nous représente dans cette instance. Mais oui oui, on va continuer. Et pour vous dire très clairement à l'Union, on a un délégué qui est qui fait le travail au niveau européen Laurent Leclerc depuis très longtemps et on voit aujourd'hui aussi comment ça ça a porté ses fruits. Y compris de que notre modèle soit compris dans les instances européennes. Et aujourd'hui, il est très salué. Ce que je trouve très intéressant, parce qu'il y, y a des pays qui nous envient aujourd'hui d'avoir ce modèle-là, à un moment où il a été de bon ton en France de le critiquer. Comme quoi, euh, on voit qu'il y a quand même des pays qui sont un peu plus ouverts d'esprit euh, actuellement. Allez, ma bah, toute dernière question, Emmanuel Kos, avant de conclure. Vous avez un mandat de 4 ans, je crois, c'est ça, ça Renouvelable. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de l'USH dans 4 ans Oh <laughs> euh, qu'on a bien fait notre travail et qu'on a amélioré les conditions de logement. Et dans dix ans, que doit être le logement social si on essaie de se projeter Alors ça, je ne sais loin. pas. Justement, je ne sais pas répondre à ça. Je pense que ça fait des sujets sur lesquels nous allons travailler ensemble. En tout cas, ma certitude, c'est que quelle que soit l'évolution sociétale de, de notre pays et de la population, il faudra que le logement social reste ce logement abordable et donc ouvert à tous très important qu'on garde ça en esprit. Après, euh, le monde en change tellement vite que je ne sais pas exactement euh, si, si on aura moins de pauvreté, plus de pauvreté, enfin je ne sais pas. En tout cas, moi j'espère je, que dans dix ans, on aura même renforcé notre influence et notre poids et qu'on ne sera plus à 5 millions de logements, mais peut-être à, à 6 millions, ça serait bien. Mais je mets un peu, ça va être un peu dur. Mais euh, voilà, c'est ça quand même l'objectif, c'est qu'on continue à, à augmenter notre capacité à, à loger des gens. À rénover. À, à, à rénover, construire. bien sûr, à construire et puis à anticiper les, les modes de vie de, de demain. Merci infiniment, Emmanuel Cosse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous prêté l'exercice. Une heure d'entretien, on attendra les, les commentaires. Hein, Très bien, sais, ouais, nous reviendrons certainement. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, au revoir.